Bienvenue à tous, vous êtes à la Punch. C'est la 5e édition, on est toujours à la Culture Fabrique à Esch. Big up à vous qui êtes derrière vos écrans et qui nous suivez, qui cliquez. Parce que finalement c'est grâce à vous qu'on est là. Merci encore à tout le monde d'être là. Yo, c'est peut-être nous. C'est peut-être la scène qui va faire du bruit pour le public. Yo, tous les gens de la scène, faites du bruit. C'est ça, mec. Gros battle, je vais les laisser se présenter. Ma maître de Lyon, à ma droite. Marche longue, mais ce soir c'est Ted Bundy. Je suis pas venu pour faire des blagues à la con, faire des rimes faciles genre Twingo, Pingo, Kimbo, Ringo, Bimbo. C'est pas mon délire, ça. Ok, à ma gauche. Yo, à nouveau, j'ai une intro. Donc pour faire référence à ton putain de call-out de merde, où tu me traites de baltringue, de faux et je m'invente une vie. Mais donc c'est toi qui te prends pour un serial killer. Gros, tes délits sont comme ta meuf, ils sont mineurs. Yo, on va faire le cointos. C'est moi qui a brillé, mec. T'es à ma droite, Marshall, tu dis brillant ou normal? Brillant. Je suis blanc. Ah non! Tu gagnes, tu décides. Je commence. Tu veux commencer? Quand tu veux, Anno, premier round. Attends, on va l'annoncer ce round peut-être. On va pas s'en priver. Quand tu veux, Anno, premier round. Donc ton blaze, c'est Marshall. Je sais pas si c'est dû à sa mère ou à son père qui avait honte de se balader avec Marshall. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, j'affronte Madou, puis Bamba. Au passage, je vous aurais fumé. Et au final, on file Marshall. Moi, quand j'ai dit à mes potes que j'allais affronter une grosse tête du RC, ils ont cru que j'allais battle Arcane. Non, mais c'est pas grave. Déjà, il faut vraiment que tu t'achètes des sables. Gros, si je fais qu'un flush royal à Las Vegas, je te file les thunes. Passement de jambes, fête à la Beckham et je vise tes bulles. Je fête mes victoires au champagne quand tu sniffes les bulles. T'es bon qu'à te plaindre comme Elogan. De rien, il m'a dit fils des pute. Non, mais t'as vraiment le choix d'être au cas. Je t'aurais bien filé mes sables, mais t'as grandi, c'est trop tard. T'es tellement un clochard que ton Facebook, c'est plus un mur. C'est un trottoir. Yo, on appelle le fossoyeur. Je trouve ça assez morbide. T'es fortiche, je m'ai fait des clips assez sordides. Mais t'inquiète, je te traiterai jamais de pute parce que le trottoir au fond, bah, il fait qu'y dormir. Bref, je suis dingue comme Guevara, mais sans béret. Si à l'avenir j'ai une grosse line pour toi, crois-moi, je te l'enverrai. On m'a dit que t'étais chaud ce soir, dans tes rêves, je vais te tempérer. Et yo, c'est un comble pour le mec qu'on appelle le fossoyeur. Ce soir, je vais t'enterrer. Ah ouais. Premier round, marche à l'ombre. Let's go. Yo! Baltringue. Je démarre au quart de tour. D'entrée de jeu, je te roule dessus, petit troll. Petite merde, tête de chibre, face de bite. L'insulte, c'est si drôle. T'es pas de taille pour la compète, petit. Fais pas le costaud, c'est de la confette, je te le dis. T'as la grosse tête, c'est une trompette, le bite, ce type. Je vais pas lui dire d'aller niquer sa mère vu qu'il aime ça. Complexe de type. En m'affrontant ce soir, tu croyais faire ton buzz pour les RC et monter rapide à Paris? Tu sors nulle part, sale bâtard. Moi, je sais pas d'où tu viens, t'es comme l'enfant de Rachida Dati. Toujours collé au cul de Gaudier, ça pue le piston, un conseil, ferme ta bouche. Car ta présence ici contre moi ce soir, c'est comme les yeux d'Alpha One. Moi, je trouve ça louche. J'aurais pu faire trois rounds à parler de ta taille, ton physique et ta tête de fomblard. Mais j'ai écouté ses sons et je me suis dit que ce serait plus marrant si je parlais de son rap. Ce mec a fait un morceau omniswag, de la merde. Dans ce morceau, il dit « Pas la peine qu'on s'appelle, on se voit au trabendo. » Ah, t'es sérieux? Pour info, le RC7 sera au New Morning et tu seras pas, t'as pas le niveau. T'es aussi inutile que le whisky dans ta bouteille dans laquelle tu mélanges de l'eau. Pour battle Gaudier, t'as filé un mec DRC. Moi, pour battle Gaudier, m'a filé 200 euros. Sérieux? Si l'espoir fait vivre, c'est con, mais tu vivras vieux vu qu'on te laisse croire que t'es bon. Reconstitution. Allô? Ouais, Gaudier, ouais, comment on va? Que je fasse l'appel 5? Bah, toi, tu sais, ok. Acceptation. Conquis. Hein? Ah non? Aberration. Ah non.
Oh, hors de question que je perds contre une abréviation. Time. Ok. Deuxième round. Ah non, quand tu veux. Deuxième mot. Quand tu veux un autre. Bon, je dirais, ce soir je suis bien entouré. Je pourrais vous dire qu'en nous matchant c'est gouré. Je pourrais avoir des fausses lines, genre je suis speed à la Ladji de Couré. Ouais, t'as des qualités, mais jamais je les louerai. Ouais, j'ai voté pour lui à la Punch League 3. Ouais, j'étais encore entouré. Mec, moi si j'étais juge, je te mettrais du ferme. Parce que c'est sûr que tu ne vendras pas du rêve. Et il est clair que si le mec s'appelle Marche à l'ombre, c'est parce qu'il a rien d'une lumière. Parce que t'es con, t'es vraiment con. Tellement con qu'il a crié haut les mains quand il a vu Madou débouler à la Punch League, la gueule qui a coulé. Tellement con qu'après un certain battle, Marshall Mathers croit encore que Slim Shady, c'est une marque de feuilles à rouler. Yo, tellement con que quand sa mère s'en est rendue compte, non, elle, on l'a violée. Yo, t'es tellement con que si ta meuf te dit barre, tu cries 12. Tellement con que c'est le seul con à être mort le 21 du 12 2012. Bon, je coupe court. J'ai pas parlé de sa meuf, ça lui aurait filé un coup de blues, voire quelques larmes sur les joues. Yo, Marshall, si tu cherches un coup de foudre, reste avec nous. Ici, il pleut quasiment tous les jours. Time. Time. Ok, ok, time. Du coup, deuxième putain de round. Marshall, on... Ah là là là, il pleut tous les jours ici. Bah, il pleut aussi ce soir, des grosses punchlines dans ta gueule. Yo. Tu rêvais d'être un gangster, un caïd complètement fou et dérangé. On t'a conseillé d'aller au charbon, de faire dans la blanche, mais t'as tout mélangé. Lui, il a choisi le four et la farine, t'es devenu boulanger. C'est vrai, ce soir t'es dans le pétrin, c'est un comble, car je distribue des pains, tu vas tout manger. Contre Mad Mag, j'ai parlé de sa femme et je le regrette. Mais là, je vais parler de la tienne et ce sera pire. J'espère que ton petit cœur palpite. Sa femme, c'est comme mon appartement, y'a que moi qui l'habite. Non, je déconne, faut prendre un ticket pour la niquer. J'en connais plein ici qui l'ont baisé jusqu'au sang, cette nympho hémophile. Son entrejambe est tellement visitée, on se croirait dans une grotte. Eh oh, eh, y'a de l'écho, et même des hiéroglyphes. Moi, quand je brosse mes combos, ça tue. T'es qu'un sale gosse qui se chie dessus quand tes ombres, ça pue. Fais pas le molosse, t'es qu'un bolosse, je brise ton ossature. Parce qu'ici, tout le monde pense que tu fais le beau anneau, ça fait trop longtemps que ça dure. Putain, moi je crains pas les couches en caisse, je te couche sans tiède, tapette, prends pas la mouche, mais prends une douche tempeste. Je suis sûr que la seule femme qui l'a fait bander, c'est sa mère quand elle change ses couches pampers. Moi, quand je battle, c'est pas du ciné. J'ai des idées plutôt dingues au point de gros, c'est le rookie. Quand je battle, c'est pas du Disney, j'ai dit Daisy plutôt dingo, ainsi croc c'est rookie. T'as capté ça mec? Si toutes tes ex te surnomment Mickey, c'est Kermini qui va avec. Ok. Troisième goût, allez, quand tu veux. Yo, c'est pas vraiment habituel, mais je vais essayer de commencer par un petit flip. Déjà, je me suis fait virer, quoi. Donc t'as parlé de mon taf. Et moi je regarde tes narines et je me dis que c'est peut-être moi qui vends du pain. Mais toi qui as le nez dans la farine. Ouais, t'es naze. Bref. Celle-là, je la dédicace à Pasteur. Marshall, depuis tes 10 ans, tu peux rien y faire, t'es moche. Maintenant, t'as 36 ans, la plupart de tes fans, ça pourrait être tes pioches. Yo, la vérité, c'est que depuis que le mec a gagné un match au RC, il se sent drôle. Non, la vérité, c'est que sans Arcane, tu vaux rien, comme ton équipe de merde depuis qu'elle a plu, Lissandro. Parce que le mec vient de Lyon, non. Bref, donc t'aurais fait 600 km pour venir jusqu'ici en Twingo, avec ta tête de vainqueur comme si t'avais gagné au bingo. Bref, je vais te faire danser le limbo, tu vas chanter Ringo, je vais te patate à la Kimbo, tout le monde sait que pour Donnie, tu fais la bimbo. Yo, faites des trucs à trois avec ce Ringo. Oui. Moi, quand je te regarde, je trouve que t'as autant de soie qu'un cheval qui ferait de la trottinette en Suède avec une crête sur la tête, qui ferait peut-être un peu de gonflette, qui se la pète, mec, mais tu restes une pédale. Tu rappes comme une pédale, tu pars, tu te sapes comme une pédale. Et yo, je crois que c'est pas son jour de chance. La Punch League, c'est peut-être pas le Tour de France. Mais pour me rattraper ce soir, il faudra que tu pédales. Yo,
Vous savez quoi, la vérité, c'est que je voulais finir avec un truc super technique, genre alphabet, gros pattern, le genre de truc qu'en ce moment vous kiffez. La vérité, c'est que lui et tout le monde s'y attendait et c'est trop facile, donc je l'ai pas fait. Donc je vais finir avec un truc cool. Merci Marshall. Merci Gauthier. Merci à la foule. Je pense que j'ai déjà gagné beaucoup ce soir quand je regarde mon parcours. Et vous allez peut-être dire que je me couvre. Quoi que vos critiques, je m'en bats les couilles. Mais la victoire ou la défaite ce soir, rien à foutre. Avant d'être irrespectueux, je voudrais faire un maximum de bruit pour Adam. Ouais. Mais c'est sincère, non c'est sincère. Maintenant par contre je vais être irrespectueux. Yo! Ce soir t'es tombé sur le maître. Je te plombe, je creuse ta tombe. T'aurais pas dû naître. Je suis pas là pour blaguer, je suis peut-être pas baraqué. Mais si chaque mot que j'emploie te frappe à mort, c'est que j'ai écrit ce battle en faisant des pompes funèbres. Je suis le fils de belles et putes. Je fais des battle rap, je bois de l'alcool, je fume du crack et je baisse des putes. Me tester, n'essaie pas, je t'exécute. Je gratte pire que l'eczéma. Toi tes schémas de rimes sont aussi efficaces que Benzema devant les buts. Et j'en ai cassé des nuques de petits fils de pute. Je suis vulgaire et ceux qui ont voulu me faire taire n'existent plus. Je t'explique le truc, quand je kick tu finis en sang. Pas de cadeau ni drap, à l'ambrose de brosse pour ado, à nos je te réduis en sang. Je donne des coups mortels, boum. Je fous le bordel comme dans le boule, Azaya. Tu te crois haut mais ça vole pas, je te redescends sur terre, boum. Alia. T'as pas les épaules pour me roncer, t'as pas les épaules pour me boxer. Mec, t'es bon qu'à tenir le crachoir. Si vous l'entendez me parler de travers, c'est pas que tes couilles lui ont poussé, non. C'est que je lui ai pété la mâchoire. Et je n'ai aucun respect pour ta mère. Toi non plus d'ailleurs, à croire tu t'en fous d'elle. En statut Facebook, ce mec a marqué « Contre Marshall, je perds pas sur la tête de ma mère ». Sale nouvelle, je suis une fossoyeur, j'ai fini d'écrire ce battle à coups de pelle. Vu que ce soir tu vas perdre, on va gagner du temps, je t'ai ramené sa tête dans un sac poubelle. Mais bien sûr qu'avant je l'ai violé. Reprise de volée. Hey, fais du bruit pour les mecs, y'a le bordel. On va voir les sujets. Madou, FCB, 9-5, on est là pour la Punch League 5. On est là pour juger le battle Marshall contre Anno. Donc moi je vais donner Marshall gagnant. J'ai préféré sur les 3 rounds. Je pense qu'Anno il s'est super bien défendu. Je pense qu'il a fait une de ses meilleures perfs jusqu'à maintenant. Même peut-être son meilleur battle, mais tout simplement c'était un peu trop pour lui. Et puis voilà, pour la prochaine, tranquille. Bah, oh, clic! Yo, c'est Nick Bossman pour la PL5. Je viens de donner mon avis sur le battle Marshall contre Anno. C'est ça? Alors, le battle, bah, pour moi, il y a eu de la bonne phase de la part d'Anno. Il a donné des bons trucs et tout. Mais Marshall était violent sur les 3 couplets. C'était dur, quoi, c'était dur. À le reprendre derrière, c'était dur, quoi. Donc sur ce coup-là, j'aime bien Anno, je kiffe bien. Et sur ce coup-là, Marshall 3-0, il a envoyé du lourd. Il a emmené le sac poubelle avec la... Oh, franchement, c'était sale. C'était sale, le coup de pied. Donc, Marshall. Yo, salut mon vieux, c'est votre Sam, Rap Contenders. Big up à la Punch League. Denis Putain de S, je te vois. Filigrane. On est là pour le battle, donc marche à l'ombre, Anno. Incontestable, marche à l'ombre. Sur les 3 rounds, il a tenu le coup. Il a fait ce qu'il fallait faire. Anno, je vais dire que sur le deuxième round, il a essayé de donner ce qu'il fallait, mais sur les 3 rounds, il n'y a rien à dire, c'est marche à l'ombre. Voilà. Big up. Hey yo, vous êtes toujours à la punch? Oui, oui. On est là avec les résultats des juges. Le vote va marche à l'ombre. On se revoit bien